Les amis, regardez ce beau garçon. Regardez ce mec. Le genre de mec que beaucoup de filles, de jeunes filles aujourd'hui rêvent d'avoir dans leur vie. Regardez cet enfant. Le genre d'enfant que beaucoup de mamans pleurent et rêvent d'avoir comme fils. Regardez-le. Je ne vous informe pas parce que tout le monde est déjà au courant de l'information. Parce que depuis hier, tous les réseaux sociaux sont inondés par les images de ce jeune garçon qui a kidnappé sa mère. Quand je dis kidnappé, je ne veux pas prononcer le mot pour que Marzouk me dérange. Qui a témoigné avec sa mère. Donc je vous dis là, ce jeune homme que vous voyez, ce jeune garçon, ce jeune vaillant garçon que vous voyez là, a ôté la vie à sa mère. Mais de quelle manière? C'est ça qui est inquiétant. Parce qu'il y a les kidnappings de Mokwai, il y a les kidnappings par empoisonnement, il y a les kidnappings, il y a plusieurs manières de kidnappings vraiment que... Mais sa façon de ôter la life à sa propre maman qu'elle a portée dans son ventre 9 mois, souffert, fait des visites, tout, lui donner la vie, payer ses études, l'éduquer, l'envoyer à l'école, payer, parce qu'on dit que c'est un enfant qui sort de l'ENAM. Je ne veux pas coller son image à l'ENAM, non. C'est pour dire, le gars a bien school. Donc ce n'est pas un enfant qui a été abandonné. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ce jeune homme pose ce genre d'actes? Parce que je ne comprends vraiment rien depuis là. J'ai déjà réfléchi, pensé n'importe quoi. Je ne comprends pas comment un enfant, où il prend le courage pour qu'il aime sa mater lui-même. On ne sait même pas comment ça s'est passé. Découper en morceaux comme la viande et mettre dans 2 valises. Ah! Perte! Papa, il y a les histoires ici. Tu entends comme ça, tu te demandes si c'est un film que tu es en train de regarder à la télé, si c'est un scénario. Putain, une réalité. Les amis, comment on appelle ça? Ce qui est même marrant, c'est que quand tu lis tout ce qu'on dit sur cet enfant, en décembre, ça ne fait même pas 4 mois, le gars a kidnappé sa grand-mère. Il n'est pas Gorgas qui l'a protégé, sa mater. Est-ce que la mater pouvait donc imaginer que après quelques mois, ça devait être son tour? Qu'est-ce qui se passe? Les tramoles, les mbangas, ou c'est le kior, ou c'est... Parce qu'on ne comprend rien. Quand tu tombes souvent sur ce genre d'histoire, tu te poses la question à savoir... Non, tu imagines plutôt que d'autres mamans sont au crasset, en train de dépenser des millions et des milliards pour avoir un enfant. Que des mamans sont versées chez les marabouts, des tradis pâtissiers, des pasteurs, des prêtres exorcistes, pour des bénédictions, des prières, pour avoir un enfant. Mais s'il faut prier pour avoir un enfant, et c'est ce genre d'enfant qui vient dans ta vie, moi je pense que certaines mamans qui n'ont même pas d'enfant devaient même se réjouir. Parce qu'on dit souvent que tout ce que Dieu fait est bon. On ne croit pas. Voilà une mère qui a mis au monde un enfant qui finit par lui ôter la vie. Ça servait donc à quoi de mettre au monde cet enfant, les amis? Ça servait à quoi? Au lieu d'avoir ce genre d'enfant, mieux tu vis ta vie une place. Tu ne fais même pas d'enfant. Au lieu que Dieu te donne ce genre d'enfant qui va finir par détruire toute la famille. Non, mieux, il n'entrait même pas dans cette famille-là. Mais c'est bizarre. Parce que je ne comprends pas. j'ai essayé de parcourir toutes les pages, question de savoir si c'est le oui, si c'est les conditions, si c'est... Parce qu'aujourd'hui, la vie est devenue tellement... Les gens avec la vie facile sont prêts à tout pour de l'argent. Je ne comprends pas, je n'ai vu aucun endroit où on a dit, voilà, on l'avait proposé, telle somme, on l'avait fait ceci. Pourquoi donc il fait tout ça? Bah, je me pose toujours la question, puisque ce n'est pas son premier forfait. D'abord la grand-mère et après la mère. Ah. Mon frère, Dieu est mauvais, hein? C'est mauvais. On pleure qu'on veut les enfants. Voilà les enfants. C'est ces mêmes enfants qui nous plongent encore dans la tristesse. En tout cas, mes sincères condoléances à la famille. Parce que je ne vais pas trop entrer dans les détails. Vous avez à toutes les informations. C'est bizarre, les gars. C'est bizarre. Ça veut dire que même pas, je n'arrive même pas à comprendre si c'est même vrai. Ou si... Bravo. En tout cas, que Dieu nous protège tellement. Que Dieu nous protège. Parce que les enfants que nous sommes en train de mettre au monde aujourd'hui, là, nous, on ne connaît pas notre sort. Hein. Nous sommes les pères d'enfants, les mères d'enfants. On ne connaît pas ce qui nous réserve aussi demain. Que Dieu nous protège tellement. Beaucoup de courage à tous les parents. Oui, c'est ça qu'on dit, qu'on accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. La mère s'y pouvait imaginer, ou bien sa grand-mère pouvait imaginer un jour. C'est leur petit-fils, c'est leur fils qui devait les mettre dans la tombe.